Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit la Escu TV. Avem astăzi un invitat special. Este vorba de onorabilul Pablo Rodriguez, liderul guvernului federal în Camera Comunelor și lieutenant du Québec, în același timp deputat de Honoré Mercier. Bonjour, monsieur Rodriguez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Marius. Merci pour l'invitation une nouvelle fois. Plaisir de vous parler. C'est le deuxième entrevue qu'on fait ensemble, cette fois-ci un petit peu plus court, là, vu que le temps est quand même limité. Merci encore une fois d'être présent. Monsieur honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement du Québec dans la Chambre des communes, lieutenant du Québec et député de Honoré Mercier. Voilà, on vit une situation sans précédent. Canada n'est pas épargné de cette réalité-là, la pandémie causée par le COVID-19. Mais ce n'est pas ça le sujet. Il y a une autre réalité qui préoccupe beaucoup les Canadiens et les gouvernements fédéral et provincial. On parle de racisme et la discrimination systémique. Est-ce que ça existe au Canada? Et si oui, c'est quoi les mesures que le gouvernement fédéral a prises pour lutter contre le racisme et contre la discrimination systémique? C'est une excellente question, Marius. Et permettez-moi tout d'abord de saluer tous les téléspectateurs. Oui, le racisme systémique, oui, la discrimination systémique existe dans notre société. Ça existait avant, tout au cours de notre histoire, et ça existe encore aujourd'hui. Il faut le combattre à chaque jour. Et moi, lorsque j'étais ministre de la Culture, l'un des mandats que le Premier ministre du Canada m'a donné, c'est de travailler sur des mesures concrètes pour lutter contre les effets du racisme systémique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour du Canada pendant presque un an avec mon équipe pour discuter avec des gens qui ont soit vécu le racisme, ont lutté contre le racisme, des gens qui ont étudié le racisme, dont des experts ou des gens qui ont réellement vécu ça, qui nous ont conseillé, qui nous ont parlé de leur expérience, qui nous ont offert des solutions. Et par la suite, moi, j'ai mis sur pied un plan national de lutte anti-racisme avec un budget de 45 millions de dollars, dont 30 millions de dollars vont directement aux communautés. Par exemple, c'est un groupe dans la communauté roumaine qui est habilité à travailler avec, je ne sais pas moi, des jeunes, ben, ils pourraient venir demander des fonds. Pourquoi? Parce que pour nous, ce sont ces groupes-là qui sont les mieux placés pour travailler au niveau de leur communauté, en particulier pour lutter contre le racisme. Ce montant-là est échelonné sur combien d'années? Sur quelle période? C'est sur 2 ans. Sur 2 ans. C'est quand même une initiative concrète. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, en particulier à part des mesures financières, communication, entre autres? On regarde actuellement, on a créé un secrétariat au sein du ministère du patrimoine canadien, pour regarder qu'est-ce qui se fait au niveau du gouvernement, les meilleures pratiques. Est-ce que nous-mêmes, comme gouvernement, est-ce que l'on donne suffisamment de place aux gens des différentes communautés? Donc, si on veut dire aux Canadiens quoi faire, il faut au moins s'assurer qu'on fait nous-mêmes la bonne chose. Donc, le secrétariat va coordonner les efforts du gouvernement du Canada à l'intérieur de nos propres structures et essayer aussi de travailler avec les différentes communautés pour changer les mentalités, changer le monde et vaincre le racisme. C'est sûr que le Canada, en étant un pays traditionnellement ouvert, au multiculturalisme, pardon, c'est un pays très tolérant. J'espère que nous, les Canadiens, on pourrait être fiers du gouvernement, peu importe quel gouvernement, de l'État canadien, qui pourrait être un exemple de lutte contre la discrimination. Vous avez raison. D'ailleurs, je pense que l'on est déjà, pour le monde, un exemple d'intégration, de vivre ensemble. Mais on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux comme nation, comme pays, et surtout faire mieux chez nous. Vous savez, avant de pointer le doigt et dire aux autres quoi faire, faisons le bien chez nous et travaillons avec la communauté internationale pour faire tomber les murs, faire tomber les barrières et lutter contre le racisme. Maintenant,
On n'a pas le choix, on ne peut pas contourner la grande réalité qu'on vit maintenant, nous les Canadiens et partout dans le monde. La pandémie causée par le COVID, la COVID-19 a engendré beaucoup de pertes financières, beaucoup de pertes économiques, beaucoup d'anxiété aussi auprès de la population. Le Parti libéral a aidé beaucoup, a offert beaucoup d'aides financières. Et ici, j'aurais deux questions. La première, en étant que le Parti libéral est un parti minoritaire au pouvoir, comment avez-vous réussi de passer, de prendre ces mesures-là sans nécessairement passer par le Parlement? Ben, en fait, Marius, on est passé par le Parlement. Et ça prend toujours, pour des mesures importantes comme celle-là, un vote majoritaire. Et vous l'avez dit, nous sommes minoritaires. Mais en fait, donc, ça, c'est ma job. Je m'excuse, j'aurais dû poser la question autrement. Comment avez-vous réussi, comme parti minoritaire, passer ces mesures-là? Les projets de loi, oui. Et c'est justement ma job. Comme leader du gouvernement, le truc, c'est de parler, c'est de dialoguer. C'est essayer de bâtir des relations de confiance avec les différents partis. Par exemple, aujourd'hui, il y a une demi-heure, j'ai parlé avec le leader du Bloc québécois, du Parti conservateur, du NPD. Je leur parle régulièrement pour bâtir et maintenir cette relation de confiance-là pour qu'on puisse travailler ensemble et laisser la partisanerie de côté pour faire ce qui est bon pour les Canadiens. Par exemple, la subvention d'urgence, la prestation canadienne d'urgence, le fameux 2000 $ par mois, j'avais besoin de l'appui d'un autre parti, je suis allé le chercher en négociant. La subvention salariale qui vient aider nos entreprises, je suis allé chercher l'appui d'un autre parti. Et ainsi de suite, Marius, on avance en faisant des alliances avec les autres partis. Et pour ça, qu'est-ce que ça prend? Le dialogue, la communication et bâtir une relation de confiance. C'est sûr que cette crise financière-là, très profonde, nécessite de l'aide financière, mais ça crée aussi un déficit budgétaire. Les dernières nouvelles montrent un déficit de presque un demi-milliard, là, si je ne me trompe pas. Une grande partie de ce déficit-là vient de l'aide du gouvernement. Comment le gouvernement va réussir de rattraper le déficit? Est-ce qu'il y a un plan sur plusieurs années, ou qu'est-ce qui en vient? Bien, c'est un déficit de 340 milliards environ. C'est un gros chiffre, ça, on en est très conscient. Il faut se rappeler que c'est un problème économique à l'échelle de la planète. Il y a 80 % des pays qui sont en récession actuellement. Donc, les Canadiens n'y échappent pas comme les autres pays. Et moi, lorsqu'on me pose la question, est-ce qu'on avait les moyens de faire ça? Moi, je réponds toujours, est-ce qu'on avait les moyens de ne pas le faire? Il fallait être là pour soutenir les gens. Si, par exemple, nous, on a pris la décision comme gouvernement, Marius, d'emprunter, parce qu'on a un taux d'emprunt extrêmement bas. On a essayé d'emprunter, s'endetter nous-mêmes, pour permettre aux Canadiens de continuer à subvenir à leurs besoins, à payer le loyer, à acheter tout ce que leurs enfants ont besoin, à mettre la nourriture sur la table. Alors, on a les dettes, l'hypothèque, les engagements financiers, oui. Tout ça. Alors, nous, on a dit, nous, le Canada, on va s'endetter, on va permettre aux Canadiens de bénéficier de ce 2000 $-là par mois, d'aller aux entreprises. Comme ça, ça ne sera pas ces gens-là qui vont s'endetter directement. S'il n'y avait pas le 2000 $ par mois, Marius, qu'est-ce qu'il ferait? Il mettrait ça sur la carte de crédit à 18 % ils iraient chercher une marge de crédit, ils emprunteraient à la banque, à leur famille, à leurs amis. Alors nous, on a pris cette décision comme gouvernement national responsable de donner un coup de pouce à la population. Et sans ça, moi, je peux vous assurer que ça aurait été beaucoup pire, la situation économique. C'est sûr que ça a aidé beaucoup pour les entreprises, pour les ménages surtout. Oui. Ça a aidé beaucoup le monsieur, madame, tout le monde pour payer leurs factures. Oui. Espérons que avec ces mesures-là, les Canadiens vont passer le plus rapidement, et le Canada va passer le plus rapidement possible et éviter une crise majeure, espérons-le. Oui, on sera toujours là pour les Canadiens. On sera toujours là pour les Canadiens, Marius, toujours. En 2008, nous avons eu une crise profonde aussi, et le Canada s'est sorti quand même assez bien,
en évitant des crises profondes par rapport à d'autres pays. Voilà. Monsieur Rodriguez, je vous remercie beaucoup de votre temps, de vos informations. Et je vous promets que dans la prochaine entrevue, nous aurons beaucoup plus de temps pour en discuter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup du temps accordé et salutations à toute la communauté romaine. N-a fost niciun incident și mi-ați reușit cu armament și cu butelii de gaz. Dacă asta e ordine. E absolut disproporționat, absolut aberant. Yeah.
sunteți capabili. Ce arătați acolo, nu mă, ce-am făcut eu? Am venit, n-am făcut nimic, nu m-am atins de unul din voi, n-am aruncat nimic. Sunt cu frate, pentru ce pula mea, mă? Nu vii rușine, mă! Poți să ai un copil de frumos, ce-am venit? Ce-am făcut eu? Cauza voastră, voi ne-am făcut! Mă, eu n-am făcut nimic, voi iată! Să trăim veșnic și să iubim strașnic, să vă...